temporaire, la cuisine, avec le frigo, tout à gaz. Et voici le chalet qui monte. Le deuxième se termine aujourd'hui. Voici ce qu'a l'air le chantier en général. Dans quelques minutes, on devrait lever les deux derniers murs du deuxième étage. Et voilà! On va le mettre en place avant de le clouer. Lionel, pas obligé de le jeter en bas parce qu'on filme. On reviendra plus tard. On a manqué le deuxième mur.
main, casse-les là-bas. Commencez par le fond, là-bas, c'est là complètement au fond. Ah, mais là, on est pas mieux, c'est ça, de tasser jusqu'au fond. Mais si! Ouais, mais si, le prochain, on va l'essayer, le prochain. Commencez par le fond. Le prochain, emmenez-le ici. OK. On va essayer. Ouais, c'est ça, tu vas pas voir, ouais, mais c'est ici, t'as d'autres formes que ça. Ça, ça va, là. Bon, ça c'est mes fleurs que malheureusement j'ai pas eu l'occasion de travailler. Ma plate-bande, encore une fois que j'ai pas eu le temps d'y voir. C'est le lundi, on pose les chevrons. Fais-en pas, ça va paraître mal. Tu nous envoies une copie. Quoi, d'être ça? J'ai dit, échappez-en pas, ça va paraître mal, je vous envoie une copie. Ah, mais t'es correct, en bas, moi, chaque fois, je viens de faire. C'est ce que j'étais pour dire, Yvon. Ça m'a rendu choqué, une halle. Non, mais c'est un beau geste pour la caméra. Là, qu'est-ce que tu trouves à faire, Yvon? Quand tu fais ton petit look, là. 26. Arrive demain ou après-demain, hein? C'est qui, ce gars-là? Marcel? Ouais. Ouais, mais tu vois le faire, il va trouver ça solide. Ça fait-il, il y a des choses, hein? Oui. On va y aller.
quelque chose, les planches, c'est souvent comme quand on a cloué en dessous, des fois, on a peut-être pas mis le morceau, là. J'ai mis qu'on mette notre 2x4 dans le bout, là. Mais déjà là, si on a un petit quelque chose, des fois, il peut y en avoir un qui a un petit quelque chose, il l'enligne, tu le tasses un petit peu aussi. Là. Yes. Ah, demain c'est l'autre côté, les panneaux et les bardeaux d'asphalte. Pour du guerrier. Tu veux Marcel, il y a du bord avec ta couverture. Ça a l'air que ça fait une belle brochette. On n'a pas vu. Ah ouais, on va le voir. Attention, Claude, j'étais assis des jeux. Je vais te soutenir par le poteau. Ma galerie va tenir ça.
Ça a sorti du village là, au bord des Bleu-Blancs. Hein.
Il y avait une petite cabane après, là. Ben, il y a Justin Côté, il y a une maison avant, puis un petit camp de bouillon, il y avait de la boulamette, là-dedans, on prenait ça au garage. Tac, tac, ça pétait. Ça sentait dans le camp, mon gars. Il y en a pas arrêté de mettre ça dans les urinoirs. Oui, tout ça. Ouais, ah, bon, oui. Ouais. Enlève les odeurs de tout ça. Mais bon, il faudrait j'en mettre dans l'urinoir, là-bas. Là-bas, ouais. Ça ferait du bien dans la toilette. C'est une toilette odorante, c'est le bord. Même avec deux gros trucs de senteur, on va... L'eau, elle sent une petite tabarnouche sur le bord, comme ça, ça se dit que c'est épouvantable. Il ne faut pas l'avoir, il faut prendre des trucs du temps. Mais, rien, on est chanceux d'avoir ça pour l'autre chose. Ouais, c'est ça. C'est tout, mais... C'est ta publique, maintenant, ouverte, on va pas venir dans la main. C'est ça, mais hier, ma salle de fête, je ne sais pas combien de temps dehors. Ça ne dure pas longtemps. Quand t'as un mètre d'impôt, là, restez ouvert par votre impôt. C'est bon. On va le dire. Quand même, je t'allais plier, Tu t'allais, c'est mettons, on en a une bouteille, mais non. Ah ouais. Non, c'est sûrement pas de l'eau mauvaise à boire, mais c'est pas plaisant. Vous bouez bien quelque chose. C'est vrai que ça a des vertus. Ah, non, la Saint-Laurent frappée, c'est bon. C'est vrai que ça a des vertus. Ça a des vertus thérapeutiques. Ouais. Ça te touche le nez, ça commence par les sinus, ça commence par là. Après ça, ça te débouche l'estomac. Ça te débouche toute la gang autour de toi. On a appelé, je sais pas, à peu près 25 téléphones des armoires. On est allé voir Gaudreau, je crois, tout le temps. On s'est arrêté du 10, on s'est arrêté chez la vie. Pas fort non plus. Gaudreau, il va être pas... Bah, il y en a une moule, quoi. Parce qu'il y a quoi, nous autres, on est au chalet, là. On ne veut pas mettre une pièce en quoi dans le pays. On est ça. Vous avez l'habitude de nous donner les pénis dans la tête, avec les pénis dans les pénis. Six mois. Six mois, peut-être. Moi, l'hiver, je pense... Vous avez gardé un pied à terre, là-bas? Oui. 6-8 mois, ce qui se met plus que la moitié de la vie. Non, mais moi, l'hiver, là... 6-8 mois ici, 4 mois en Floride, au pays chaud, tu sais. Ben, au début, ça comptait 6 mois ici. C'est vrai que l'hiver, ça... Mais moi, je... Martin, tu me fais passer un hiver ici, puis tu m'amènes dans l'aileron de l'Hippolyte La Fontaine, au Québec. Pas grave, dans le récit. C'est trop isolé. L'été, j'adore ça, Mais l'hiver, là, non. Moi, faut que je cherche que... C'est ça. On vient de manger. Ouais, tout le monde.
Sur le balcon. Quand il est descendu, le chef a décidé de calmer ce qu'il a eu.
Merci pour la bière et les chips. Ah, de rien, de rien. Comme un teint sur une enveloppe. Comment qu'elle dit ça? C'est comme un teint sur une enveloppe. Ah, on se
ramener ici. On va s'en servir pour monter nos affaires sur le toit. Pas de problème, pas de problème. Bullshit. Complet. Hey Lionel! Oui? Si tu voulais avoir un bout de corde, tu vas l'avoir. Je ne peux pas en emmener. On va monter par là, toi, là. C'est reparti. Comme on voit, la machinerie lourde est arrivée. Carl a été chercher ça pour monter du bois pour le toit. Et également, Lionel était tanné de tenir la main de Pauline pour la faire monter, alors il a fait faire un escalier. Fait un temps superbe. Bon, là, il est à peu près 6h moins quart, lundi après-midi. On va aller voir de plus proche ce qui se passe dans le... en haut. L'objectif étant que Lionel veut finir le toit, la structure du toit. Ah! C'est ça. C'est la chaîne, on a la chaîne. Est-ce que vous croyez qu'on a une bonne...
Ah, je vais faire évaluer ça par la Société centrale d'hypothèques et de logements. Il ne fallait pas évaluer parce qu'ils vont tous changer les normes, ils vont tous mettre le reste plus fort. Un petit sourire, Martin. Le droit d'admirer la nature. Qu'on appelle une pauline. C'est encombrant, hein, des fois. Variété de gaillarde. Arbre. Arbre de gaillarde. Hélice. Digital. Et ici des delphiniums, d'autres fleurs qui s'en viennent. Encore des pollines. Là j'ai des lys. Vieux fanal, j'ai des flottes qui s'en viennent ici, des boules de neige là-bas, un petit peu de salade. D'ailleurs, la charpente du toit chêne. Je pense qu'il reste un chevron à poser. C'est ici depuis le début du chalet. Malheureusement, je peux le temps de m'en occuper encore. J'ai du chèvrefeuille. Le nouveau champ framboise à pollines. Ici, j'ai encore une haie de fleurs. L'Église du Canada. Puis j'ai des sweet williams avec des hélices sans le nem. J'ai d'autres hélices là. Ici, ça devrait y en avoir. On a réussi à pas démolir ça. Et c'est le bordel. Et c'est reparti. C'est mardi le 22 juillet. Et nous sommes de retour. Comme vous voyez, la pose des bardeaux d'asphalte est entreprise. La bordure a été faite. Et ça continue à monter. Ce matin, on a reçu l'ensemble des fenêtres. Ce soir, on doit recevoir les portes. Alors demain, la toiture devrait être terminée. On va aller voir de plus près. Voilà notre contremaître et notre manœuvre qui a peur des hauteurs. Nous en sommes vers à peu près 3 heures de l'après-midi.
les bordures de la toiture ont été faites, ce qui demande beaucoup d'attention. Et là, la couverture de l'autre côté. De ce côté-ci, on procède à la pose du bardeau de couverture. Voici le contremaître, voici celui qui a peur des hauteurs, puis qui cache très bien son jeu. Il est tellement fatigué que je pense qu'il ne sent plus rien. Pendant ce temps-là, Marcel Ménard et moi, nous sommes en train, étant donné notre âge avancé, nous sommes en train de construire une table pique-nique à l'intérieur du chalet. Là, il est à peu près 5 heures le mardi. Et ça y va. Le puits de lumière est installé. Et ça monte. Pendant ce temps-là, l'autre côté, on monte également. Il doit être à peu près 5h30. Ça travaille encore, j'ai l'impression que l'objectif c'est de le finir, mais... Marcel Ménard. On a fait une belle table de pique-nique, c'est terminé. Il est toujours mardi. C'est à peu près 8 heures le soir. Le chantier est calme. Semble-t-il qu'il reste 2 heures pour terminer le toit. Et puis ensuite on s'attaquerait, semble-t-il, aux fenêtres. Toutes les fenêtres et les deux portes sont arrivées. Et on est en galère. Et pas pire. Et c'est reparti après dîner. L'échafaudage est en train d'être installé. On va aller finir en haut. C'est notre environnement. Nous sommes jeudi, le... Depuis quelle date, là, on a eu des problèmes avec la caméra. Là, c'est reparti. Les travaux ont beaucoup avancé. Là, ici, on voit le champ d'épuration qui a été fait ce matin. Et hier après-midi, un poteau d'électricité. Est installé. L'électricité devrait être installée au début du mois. Ben,
Là, ici, on a un aperçu là, du chalet, là, à l'intérieur. Tout baigne dans l'huile. Comme on peut le constater. Livraison cet après-midi de matériaux pour l'isolation, le chuproc, une partie du chuproc. Et on a appris qu'on aurait un nouveau mobilier de salon. Mobilier qu'on a acheté, qu'on se prépare à bientôt à entrer dans le chalet. Dans le train, je ne sais pas. Les matériaux entrent. On est en train de mettre de la gravelle en avant. Un autre aperçu du chalet. Naturellement, mes plantes s'ennuient de moi et moi d'elles. Bonjour. Et surtout, les fleurs abandonnées. Ah, un crapaud. Ça va être de toute beauté. Le taux d'électricité qui est installé aujourd'hui. Et voici le dégât du champ d'épuration. La pauvre pelouse en a pris tout un coup. Pour les travaux, il a été nécessaire d'enlever une partie de la clôture à Marielle pour que les camions puissent passer. Aujourd'hui, on est le vendredi le 25 juillet. On a manqué une journée ou deux, mais on a eu des problèmes. Et le chalet se transforme de jour en jour. Ah. Ça, c'est la laine qui va aller sur le plafond, sur le plancher. Ouais. Et Yvon, ça fait toute ton affaire en bas, là? Madame se repose. Nous sommes samedi, le jour 10. Madame s'en va aux commissions essentielles. Ah, le chalet se dégage pour faire place à la peinture du plancher. C'est de la propreté, ça. Je devrais en donner une deuxième couche. Je fais des... Un astide blanc.
Et Dixie. Et c'est l'isolation du sous-sol. Ça avance bien. Ça va être beau à Noël prochain, on va le voir. Oh, quelle expertise! Ah, c'est très précis. Ouais. J'ai vu que t'as... J'ai vu que t'as pris ta règle. Regarde ça. C'est-tu possible que cette fleur-là survive à travers tout ce désastre? Je parle pas de gens, là. Ouais. Tu as dit quoi, là? Oh, regardez les femmes, mais vraiment, là. Pour les planchers, là, tu peux pas enlever ça, hein? Marie, c'est une experte. Bon, voici, on est en route vers nos installations temporaires chez Bruno. Pas pire terrain. Et nous voici rendus chez Bruno. Trac à Paulette. La cabane à Michel. Et la cabane à Bruno. Comme on voit, bon, ici c'est l'accès pour la grosse machinerie. Et ici on voit le ruisseau. Il est vraiment asséché cet été. Et ça c'est la cabane. Ah, non. Non, Bruno. Hey, c'est le 11e jour là. Ah oui, hey, on va en pause là. Là, on est rendu le jour 12. Il est à peu près 3h15 l'après-midi. C'est pas beau, mais ça avance pareil. Comment se déroulent les travaux. Là, on voit que c'est la pause syndicale. Hein? Des tabarnouches, ça bouge sa job à pantier. On va aller voir ça. Et bon, yeah. Chaque étape, là. Ah oh, oui. C'est important. Et là, c'est surprise, parce que on l'a démoli la semaine prochaine. Hein? À quoi? On l'a mal aux aigus. J'ai pas été avec mes cartes aux aigus aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, c'est le jour 13. C'est le mardi. Le chantier fonctionne très bien.
On s'est acheté une nouvelle fenêtre, c'est en face au ruisseau. Et ça doit continuer demain. À l'intérieur, on voit que le plafond avance. Demain, on devrait terminer de ce côté-là. Ici, ça devrait être notre chambre. On a reçu des matériaux encore cet après-midi. Ça va être le coin de la cuisine. On se prépare à recevoir demain les armoires. On prend une forme. Ici, ça va être la chambre de bain. Ici, ça va tout être terminé demain dans les murs parce que, également, l'équipement pour la chambre de bain arrive demain. Ici, c'est un garde-robe en rentrant du stationnement. Et ça va être un espace à rangement juste en face et dans le coin, un espace pour le réservoir à eau chaude. Ici, théoriquement, ça devrait être notre chambre. Ça serait très beau si c'était le salon, suivi de la cuisine et de la salle à dîner. Mais c'est encore en discussion. Aujourd'hui, c'est le jour 14. C'est radieux. Le ciel est bleu. Il est à peu près 4 heures. On va aller voir les prairies. Tellement que la table n'est même pas enlevée. On a cuit du blé d'Inde qui vient du végétarien et qui, selon Lionel, coûte à peu près 4 pièces la douzaine. En tout cas, avoir un bâche de choses qui est arrivé ce midi. Là, on est en train de mettre du water seal sur les chaises. Ça monte. Là, là, c'est les partitions. C'est les partitions. Une feuille de papier. Regarde, elle éclaire juste un petit peu plus bas, là. Les armoires sont arrivées. Madame en train de déjà faire la tapisserie. Et les partitions se font. Tu es prêt à démancher le madrier de l'autre, tu me diras. Oui, j'arrive, je suis prêt. À la dernière minute, on a décidé, il fut décidé de changer la porte de place puis l'installer. Rentre dans la bâtisse. Là, le problème, c'est de tasser la porte, faire rentrer le garde-manger à côté du poêle et y laisser un cadrage. All right.
ça a été exécrable. On a été mal couchés, etc. Alors ce soir, Pauline est partie à l'encan. J'ai décidé de lui faire une petite surprise. Tout est en désordre. Mais on a notre lit à l'équerre, installé une lumière. Je l'ai installé une à l'extérieur. Alors, ça devrait bien dormir ce soir. C'est tout ce que vous savez. Nous sommes rendus au jour 15. Pauline vient d'arriver de magasiner, partie depuis 8h30. Et... Non. Au plombage. Oh, à plomberie, voyons donc, plombage, ça a-tu du sens? Claude, il va par là. Suis ton angle, Claude. Comment? Suis ton angle. Ouais. Ouais. Demain, on va voir l'eau couler, hein? Il fait 2 semaines, je me retiens, moi. Hein, Julie, Marco? On est en train de finir. Le dessous du chalet. On a besoin de pas geler. Hein? On a besoin de pas geler. Sinon, c'est les autres qu'il faut scanner. Ah, ça va être à recommencer. 15 degrés ou 40 degrés sous zéro. Ce matin, les armoires et le comptoir ont été terminés. Hier, la porte a été déplacée pour faire place au garde-manger. C'est super. Si cette pièce à débarras pourrait devenir un joli salon. Mais, on verra. Nous sommes toujours au jour 15. On prend le premier repas dans notre succursale. Okay. On va interviewer le monde. Monsieur Ménard, aimez-vous votre travail au chalet? Oui, monsieur, j'aime mon travail au chalet. Je l'ai choisi par goût. Bon. Madame Ménard, faire les repas, c'est-tu le fun? Ben, dans un chalet comme ici, ça irait mieux, je pense. Ah, très mieux. Beaucoup mieux. Madame Pauline, elle est sur le poêle, elle essaie de nous faire accroire. Elle essaie de nous faire accroire que le poêle fonctionne, mais il n'est pas connecté encore. Pauline, Julie, elle, ben, elle a la bouche pleine quand elle n'a pas les doigts dans la bouche. Moi, c'est bien. Attends, puis... dans le chalet. Hein? Puis ils ont travaillé fort. Puis ils vont se laver. Tout à l'heure, on va voir le premier bain dans le ruisseau. Why not? Monsieur Marcel, lui, il est comme toujours. Il n'est pas servi pendant que les autres mangent. Non, mais Monsieur Marcel, il apparaît pas à nulle part. Non, c'est lui qui pose. Vous me poserez quand j'irai chez ma caisse de bière tout à l'heure. Ça concerne Bouchard. Bouchard qui arrive au ciel. Il est Parisot. Ouais. Pas Parisot. Chrétien. Chrétien, il rentre directement au ciel. Il se fait pardonner tous ses péchés. Ça t'intéresse pas, Parisot. Bouchard à l'enfer. Ah, Bernard. 3 jours après, Satan arrive à la porte du ciel. Il dit Saint-Pierre, il dit, c'est moi qui m'a envoyé Bouchard et tout à l'enfer, il dit 3 jours. Il dit oui. Hey, il dit, veux-tu que tu vas le remonter en haut, là? Chris, il fait des coupures en bois, il dit, il a fermé 3 chaufferettes. C'est moi qui te l'a compté, celle-là. Ah! C'était pas Bouchard, c'était. Oh, oui. Pauline, demain, on s'en va. Pas temporaire, là. Bon, voici la toilette principale. On voit pas grand-chose, mais... On couche comme ça.
C'est pas pire. Des coups de précision comme on venait pas. Puis là, l'isolation est terminée. Nous en sommes au jour 17. 1h30 à l'avance. Madame se change. Et de chantier. Voilà. Voici. Coin. Nous pénétrons dans la toilette. Ah, oh, c'est sacré. Ça sent bien, c'est bien beau. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je travaille. Ah, ok, moi aussi. On voit que tout le monde travaille. Hein, Maryse? Notre champ de framboise. Dixie, où tu vas? Ah ouais. Aujourd'hui, le travail a été fait pour faire passer l'électricité. Alors, on a coupé la deuxième rangée d'arbres chez Marielle. Et ça devrait aller. Ça devrait passer de cette façon-là jusque à ce poteau-là avec l'auban ici. Il va se rattacher à ce poteau-là et qui va se rendre au chalet. Semblerait-il que d'ici une semaine, ça serait fait. Aujourd'hui, c'est le jour 18. Ah ouais. Fait ça pour dire qu'il ne travaille pas gros, fait ça des photographes. La misère. Il va dire que des responsabilités. Ouais, il va dire que Péronette, ça va être ma femme, là, oui, avec ta grosse pièce, la crotte à la fille. Ça fait de la pitié. Aujourd'hui, là. Ah. Ah. Là, la semaine prochaine, l'électricité devrait être arrivée, l'eau. Là, on a de l'eau, là, mais il nous a branché sur notre puits parce qu'on va garder aussi notre puits. L'eau monte-tu juste là? Avec notre puits, oui. Elle va être votre puits là-haut? Oui, la toilette, elle marche très bien, là aussi. Oh, ben, ça va bien. Ah, puis, mais là, on va avoir avec Marielle. Ouais. Là, on va avoir de la pression. Puis tout ça, il y a une pompe. Là, on va aller pour en haut. On va dans le désastre. On va garder notre eau pour pouvoir la boire aussi. C'est bien meilleur que... C'est la piste de l'eau qui avait l'antipo. On va mettre ça dans le puits. Ah, désastre. Pas mal, là, moi, il y a de l'eau. Nous y sommes toujours. Là, c'est le plancher qui se lave. Mais là, Bruno, il est là. Hein? C'est pour ça, là. Fais juste éponger les aujourd'hui, samedi le 9 août. Ok, pourquoi s'en dirait? Tu veux mettre ça? Là? Ouais. Ton mail devrait nous poser. Ah, ça vaut la peine, hein? C'est le premier break. Ouais. Bon, ben le pupille est fait. Ouais, c'est un beau carré. Les herbes, mettre ça en haut. Tape-le!
sûr que ça aurait fallu monter, on l'a remonté. Oui. Ça, il y a partout le plafond fermé. T'es en train de poser les fils pour les ventilateurs. À 19, enfin l'hydro qui arrive, on s'installe. Voici ce que ça a l'air là. Le poteau est quelque part. Les employés sont là. Et voici l'autre. On va aller vers ça plus proche. Et maintenant nous sommes chez devant Mariel. Là, il y a déjà quelqu'un qui est là, là. Qui est en train de s'installer. Oui, il semble être en train de trimer l'arbre pour passer chez lui. Ici, on est chez Marielle. Il est à peu près 2 heures de l'après-midi. Il s'installe pour se brancher sur notre photo. Ils vont trimer les arbres, je présume. Bon, ça commence. Ceci, c'est vu d'un autre angle. Alors, voici notre photo. On est en train de faire le raccordement. Là, on se prépare pour poser le dernier fil, là, je pense. Là, il paraît qu'ils sont obligés de prendre ce camion-là parce qu'il manque quelque chose à l'autre. Mais ils sont pas très vaillants. Ils sont bien équipés. Là, il est à peu près 2h30, 3h moins quart. Il reste rien que le fil sur sa longueur là, à poser. Là. De là à là. Voici ce que ça a l'air de vue de chez Marielle.
On se prépare pour faire le grand coup. Pas l'air facile.